Are you ready? Sakara. Sakara, capitaine Sakara, ce sont tes bravos qui t'ont déjà, 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 Sakara, Thomas Sakara, capitaine Sakara, ce sont tes bravos qui t'ont déjà, déjà. Un coup d'état fini par toujours un autre coup d'état. Et les frères d'armes tôt ou tard deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Et non par les armes. Hey! Sakara, Thomas Sakara, capitaine Sakara, ce sont tes vrais mots qui font déjà, 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 déjà. De vengeance en vengeance, l'Afrique est tombée dans la déchéance. De vengeance en vengeance, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique est tombée, tombée, tombée dans la déchéance. De pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir. Hey! Sakara, Thomas Sakara, capitaine Sakara, ce sont tes paramours, tes paramours, tes paramours, tes paramours qui t'ont déjà, déjà, déjà. De ce linge, de ce linge sale. Oh. Le linge sale se lave en famille. Oh, oh. Mais pas dans le sang. Mais pas dans le sang. Pas dans le sang. Le linge sale se lave en famille. Mais pas dans le sang. Le linge sale se lave en famille. Mais pas dans le sang. Le sang. Le sang, le sang de la famille. Hey! Sakara, Thomas Sakara, capitaine Sakara, ce sont des paramours, des paramours, des paramours, des paramours qui t'ont déjà, déjà, déjà. Ce sont tes frères de sang, ce sont tes frères de sang, qui ont versé, versé, versé ton sang, versé ton sang. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes paramours, tes paramours.
consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.